avec jeunes qui sortent de partout pour au moins nous bailler notre métier. Et nous prêts pour toute presse culturelle, pour tout journaliste culturel qui veut venir dans l'activité, pour le venir, et puis pour nous commencer par le théâtre, pour venir dans les balles, pour nous commencer par le théâtre. Parce que c'est sûr que vous ne pouvez pas être capable de dire notre bagage chaque jour. Mais moi, ça, laissez-moi théâtre, laissez-moi la culture. Côté que vous avez le ministère de la culture. T'es déjà lancé à des patrimoine. Il est le temps pour, à travers le ministre de la culture, pour faire. Il est le temps pour nous commencer par de la culture, pour nous commencer par le patrimoine, pour nous commencer par le théâtre, pour nous commencer par commencer pour nous donner. Ça veut dire que nous lancer par là, 25 mars, Jean-Claude Didalga, le 62e, ça, nous gagnons. Plusieurs activités. Alors, des activités, ça va nous rentrer en une semaine de la scène. C'est dans ce sens que nous disons que tout le monde, tout jeune garçon, toute jeune fille qui voulait participer à l'activité de la vie, il y a juste passé la direction à l'artiste de la café, alors, qui n'a pas d'excès à l'activité. Il y a juste passé et puis il y a inscrit. Et en plus, toute jeune fille, toute jeune garçon qui voulait faire théâtre, Vini faire métier ça. Parce que nous gagnons, alors parlons tout qui veut voir ici, nous sommes capables de voir. Parce que nous avons une section qui est la section d'animation jeune public. Des petits mouns, nous prenons à l'âge de 8 ans. Donc, des petits même, nous avons 16 ans, à partir de 16 ans, y a, si vous voulez être métier ça, nous mettons soit dans le programme, soit dans la danse. Ça permet que nous ayons des pépinières là. Ou même pour l'autre aller, il faut que nous fassions pépinières pour l'autre sac à venir. Les amis, nous avons le temps pour continuer à parler de l'activité culturelle. Parce que M. Peupris culturel a besoin d'un pile d'activité. Il a besoin de parler de théâtre, il a besoin de parler de musique. Alors, on va parler de musique, on va parler de musique folklore seulement, pas de folklore, pas de compas, pas de tout le monde. Musique, il y a le temps pour les médias en ligne, l'autre média a commencé à tourner avec les gens d'animation qui étaient pour faire l'opinion sur la musique, sur le théâtre. Côté qu'il y a une importance théâtre, commencer à recevoir au cœur dramatique et dramatique, commencer à recevoir dramaturge. Ok, mon cadet qui est poésie, commencez à recevoir, ça permet que au moins nous quittons la culture de la vie. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, en tant que théâtre, la compagnie, nous négligeons automatiquement des activités, nous toujours présents, nous toujours là pour créer activités, ou même qui nous reste là pour toujours nous activer, pour toujours activer, pour pouvoir parler de activité, activité. Parce que tant que activité, c'est tant que nous qui fait théâtre, qui a fait musique là, c'est tant que lui-même lui sentit, lui sentit que lui-même l'a vivre. Parce que si lui pas joué une activité, c'est comme si métier l'a fait avec. J'en ai dit à la 27 mars, Journée mondiale théâtre, nous avons plusieurs sites, puis nous avons BRE, nous avons MUPANA, nous avons Kiosque quotidien qui c'est Alex Théâtre, et puis nous avons Rex Théâtre, pour nous avons joué Philippe et Philippe. Voilà, c'est la question. De la semaine et parmi automatiquement nous vivons mois ça ici mois théâtre et puis là alors mois ça va faire théâtre 72 ans c'est 72e journée mondiale de théâtre nous n'avons pas commencé sans que nous avons remercié artistes comédiens qui travaillent à faire nos sociétés pour Marie Rangé-Marie continuer de faire activité culturelle. Ma petite occasion pour vous remercier les danseurs du théâtre national d'Haïti qui participent dans le carnaval qui se passe là pour les soucis. Et maintenant, tout de suite, dans 72e République mondiale, c'est-à-dire pour nous parler sur l'activité que nous allons faire pendant 72 ans. Il y a bien 4 sites d'activité. Naturellement, nous avons gagné Kiosque Gentil,
normalement qu'à exposition, qu'à exposition artistique, plus plusieurs autres activités. Nous gagnons plus pas d'aller nous appeler conférence débat. Conférence débat. Et nous avons plusieurs conférences à faire sur le théâtre. Pas oublier tellement c'est le théâtre, c'est l'art. C'est-à-dire que nous avons une célébrer l'art, nous avons une montrer nous à travers le théâtre, nous capables de changer nos sociétés à travers le théâtre et la vie où nous sommes capables de changer. Et nous, à travers le théâtre, nous allons aller dans le quartier pour nous prendre jeunes amis. Pour nous prendre chez nous, pour nous faire un théâtre, pour nous faire un autre métier théâtre. Et les gens qui m'ont dit, est-ce que le théâtre son métier? Oui, c'est son métier. Son métier, même j'ai avec docteur, même j'ai ingénieur, même j'ai tout le métier. Vous capable de tout pour faire théâtre. Vous capable de tout pour faire théâtre. Mais automatiquement, vous n'avez pas de formation, métier ça, vous n'avez pas de. Parce que le métier à Jean-Docteur a été un bon genre de personne, un bon genre de faire bagarre, mais c'est le même genre avec le théâtre. Ça veut dire que le théâtre n'a pas de bagarre pour respecter la vie. Par exemple, on parle de scène, on parle de virage, on parle de côté pour côté jardin. Ça veut dire que le théâtre est technique. Et puis, nous avons une BNE qui a pour le troisième site, qui a fait théâtre évolué, côté des héros Josué, qui vient parler de l'activité ça, qui vient faire conférence ça. Et puis, nous avons une démonstration qui vient pour faire ici. Et puis, nous avons pour défiler dans l'extérieur. Défiler, nous avons joué dans l'extérieur, défiler du carré d'or, nous avons joué dans l'extérieur. En même temps, il y a une activité ça là, mais il y a une activité qui a fait dans une province. Lorsqu'on parle de théâtre national, on parle de théâtre de province. Par exemple, nous avons Jacques Bell qui nous a annexé, nous avons Ish qui nous a annexé, nous avons Cabahitien qui nous a annexé. Ça veut dire que pendant l'activité qui a fait pour le province, dans l'annexe, il y a une autre activité qui a fait tout. C'est dans ce sens-là nous-mêmes. Nous disons que presque culturelle la merci parce que nous faisons des déplacements. Vite comprendre qui importance théâtre gagne et ça n'a fait comme activité pendant 72 ans. Après 27 mars, là, nous avons plusieurs activités que nous avons fait. Par exemple, le théâtre école. Pour nous implanter le théâtre dans l'école encore. Parce que longtemps, qui gagne ça. Mais là, nous allons implanter encore pour des jeunes avec des possibilités pour nous jouer aussi. Alors pour nous jouer des quartiers, pour nous jouer des pièces de théâtre haïtien. Parce que longtemps, ils ont des pièces classiques. Mais quand nous allons faire des gens pour nous trouver, si nous-mêmes, il y a des pièces de théâtre haïtien. Nous soutenons dans l'école là, mais nous ne pouvons pas qu'il y ait la vie. Dans ce sens, nous venons pour nous faire théâtre national dans la vie. J'en ai mon habitué, aller dans ma machine de jouer, aller de l'autre côté, nous jouer, à la Pétionville, nous jouer, à l'époque côté, papier, à l'exclu, c'est un puissant réel. Ça veut dire, pendant que nous faisons théâtre là, il y a une croyée puissante réel. Alors, c'est pas un exclu, local, c'est central, c'est un puissant réel. Il y a une croyée, pendant qu'il y a une croyée pour nous, parmi les ministères culturels, c'est-à-dire tout le monde, ça, le ministère culturel, va nous rester. Et bien, nous-mêmes, nous avons commencé à nous définir en lien avec ça, le 27 mars. C'est dans ce sens que tout presse culturel a intérêt à encourager le travail que nous avons fait avec jeunes qui sont loin. L'humain a dit, son organisation douanine, qui a évolué, et qui non seulement a évolué, comme nous dit là, comme organisation de l'amour, mais en même temps tout qui préoccupe, ok, dans la situation actuelle, non seulement des prisonniers, mais particulièrement ceux en détention préventive prolongée, mais aussi grève par petits à travers les 18 juridictions du pays. Et nous-mêmes, nous sortis dans notre là, ouais, en communauté, qui non seulement penché sur grève par petits mais en même temps tout sous situation prisonnière en général.
et situation prisonnière en général, tout ça le bail, les bail en sorte de soulèvement. Côté que droits fondamentaux, les droits fondamentaux des détenus, les pas respectés. Et nous-mêmes, dans les plus loin, pour nous essayer d'indexer en quelque sorte cette administration, parce que l'administration pénitentiaire est une administration autonome. Il y a depuis le 5 juin 1995 qui a organisé l'institution, ça. Ça fait un. Deuxièmement, le pire, c'est la situation grève des pâquetiers. Parce que je vous dis, la préoccupation a dû sur grève pâquetiers, vous me dites, son mauvais président. Parce que mauvais président pour dans deux sens. Premier sens, là, et considérer que il y a un décret du 22 juillet 1995 qui dit les paquetiers, c'est des agents en dans judiciaire, agents exécutifs en dans judiciaire. Je veux dire, là, le tribunal n'a pas qu'à fonctionner. Parce que le tribunal n'a pas qu'à prendre sans commissaire gouvernement. En nous attendant justiciable qui enquête de la justice. Je dis à la quelqu'un dans un pays, quelqu'un dans une société, pour le marché, on est capable de dire primeur, c'est la justice. Et depuis la justice, qui a un problème, et bien c'est tout reste dans les problèmes. Et nous dit, nous parlons pas le problème, c'est le droit le plus entier des paquetiers pour entrer en grève parce que c'est bon tout. Vous gagnez tête chaude, vos familles, et en tant que professionnel, vous mangez au BTT. Parce que le traitement que le parquet a cherché, il est mérité. Ça n'a pas de mentir dans ça, il est mérité. Et nous dit, l'exécutif doit être tenu compte du traitement que le parquet a cherché. D'ailleurs, le parquet a cherché. Parce que d'abord, combattre la corruption, je vais vous dire, combattre la corruption, c'est tout d'abord la prévention. Prévention n'est pas l'autre bagaille. C'est essayer ouais, dans quelle mesure pour que nous sommes capables de répondre, de capable de dire à certains besoins. Certains besoins, on va le faire de ça. On a dit combattre la corruption, c'est tout d'abord la prévention. L'homme mal payé par Kutia, l'homme mal payé comme le gouvernement, qui sont le deal. Pour justiciable, ils vont dossier par le tribunal civil, en tribunal commercial, ils vont dossier 2, 3, 400 millions de dollars. Exemple. La tranchée, la conclusion sur le dossier pareil. Qui sont le deal à lui-même. En tant que nous, d'abord c'est traitement. Oui, nous sommes d'accord avec demande, nous sommes d'accord avec besoin, pas que tu. Maintenant, même notre moment, nous demandons pas que tu nous. En accordant un souci, quand le ministre de la Justice, quand le premier ministre a tenu compte de. Tu es capable de dire besoin, mais en même temps, tout pour justice, il y a une quête de justice. Vingt pas qui a là, vingt côté pas. Vingt tribunal là, vingt suivi dossier. Avocat qui besoin, t'es capable de joindre qui besoin à le faire. Besoin pour action en habillage. Pour joindre une présence ministère public en siège. Ok? Mais, pas oublier tout. A dû préoccuper sous prisonniers. Détenus qui ont. Prisonniers qui ont détention préventive pour un GA. Je dis là. On n'est pas qu'à faire 10 ans en prison pour ne pas comprendre ça là. Et pour comprendre ça là, c'est une décision de justice. C'est soit le royal ordel, c'est soit le royal et ça va blanchir, ou bien le condamné. Là, on fait 10 ans en prison après 10 ans, le tribunal a blanchi, ça va reprocher là, pas ça va prendre. Si ça va reprocher là, c'est ça, et bien là, le juge l'a condamné. Mais 10 ans en détention, non. A dû dire non. Et on a fait toute cette dépendance de nous comme professionnels, comme responsables d'organisation, avec acteurs pour être comment capable de combattre la détention, de capable de dire entre parenthèses la détention politique. Ces préoccupations a dit et nous croyons par rapport avec notre 13 mars 2023, nous croyons que protagonistes, plus particulièrement les responsables de la PENA, la tenue compte de responsabilité, mais ça fait parler de constance des administrés, pour que nos situations ne soient pas reproduites. Pas seulement la situation de la pénitentiaire ou la prison civile de Port-au-Prince, c'est presque tout centre carcéral. Le problème, ça, nous l'avons reproduit, et en même temps, nous voulons que l'exécutif en soit tenu compte de besoins par petit, et puis pour le tribunal, là, pour la justice, ça n'est pas fonctionné. Ça, c'est une attente. A dû dans l'ensemble de l'heure que je dis.
La justice, en quelque sorte, c'est son chaîne. Il n'y a pas seulement le ministre de la justice. Il n'y a pas seulement les commissaires du gouvernement. Il n'y a pas seulement les défilés, il n'y a pas seulement les juges. Ok? C'est ensemble, c'est toute une équipe. Ça veut dire qu'il y a tant de pays d'autres. Nous ne pouvons pas indexer le ministre qui peut vous dire bon, nous allons combattre la détention préventive. Logique, pas faire. Nous prenons un pile là-dedans, un pile d'efforts qui fait la guerre. Il y a un pile d'efforts. Ok, un pile d'efforts. Et nous saluons mon actuellement qui c'est Ronzula, qui c'est Magistère Ronzula, qui est dans le ministère de la Justice. Nous avons des certitudes que c'est un personnage qui comprend ça. Et nous rassurons tout, il y a un ministre qui peut comprendre ça. Mais moi, bien dit, toujours des petits efforts faits. Mais ça nous suffit. Parce que continuité a un peu de fois le parle. C'est politique pénale, tel gouvernement, il n'y aura pas politique pénale, tel gouvernement. Parce que nous-mêmes, comme on a dit, comme nous sommes organisation pour le monde, nous voulons faire tel que le devoir pour nous, non seulement bon côté judiciaire, prisonnier, et nous sommes capables de dire, allez essayer chercher à comprendre et politique pénale, gouvernement qui vient de pour nous, comment, une fois pour toutes. Nous sommes capables d'éradiquer la détention préventive prolongée. La détention préventive prolongée, comme vous comprenez, nous sommes en prison aujourd'hui. Si on ne sait pas qu'il est arrêté dans son tribunal de paix, le tribunal de paix a déféré le dossier à le commissaire gouvernement. Le commissaire gouvernement n'a pas eu le bagage pour le faire parce que dans le temps que Guéril, pour que mon service est capable de dire mon service d'urgence, nous ne sommes pas capables de faire 3 jours de destruction. Et puis, maximum 3 mois, juge avec un ordonnance. Si on ne fait pas le coup, si on ne fait pas le coup, on a jugé. Si on n'est pas condamné, la carré, si le condamné, on a connu, bon, je m'en fais 2 ans en prison, je m'en fais 10 ans, je m'en connais des condamnés, je m'en fais 10 ans. Ok? Nous-mêmes, comme a dit, nous là, justement, nous avons joué mes intérêts, nous avons joué le poison, bon côté justiciable, bon côté prisonnier, et en même temps, tout bon côté autorité, pour nous, concrètement, qui partition que nous sommes capables de faire, une fois pour tout, la question des détentions préventives volontaires est éradiquée une fois pour toutes. Alors, d'abord, où est-ce que le gouvernement s'agit d'une politique pénale par ministre? Moi-même, personnellement, comme directeur exécutif, a dit, comme organisation de droit monde, nous avons garanti chaque ministre qui vient de gagner une politique, chaque gouvernement a gagné une politique pénale. Malheureusement, pour l'instant, nous ne connaissons pas vraiment. Et nous ne pouvons pas faire la politique pénale. Bref, seul ça nous fait dernièrement, je m'appelle, je parle avec le commissaire gouvernement de la Kakata. Nous, on a beaucoup de parler parce que le travail, c'est en quelque sorte, c'est pour moi, c'est la politique pénale du gouvernement. Et ce n'est pas le cas de faire. Moi, c'est dans niveau local, pour les prisons, pas global, on dit ça le café. Exemple, ok? Mais en global, comme c'est politique pénale, qui ça est? Est-ce que c'est combattre la détention préventive prolongée? Est-ce que combattre, tu es capable de dire, question terre? Nous avons un terre exemple. Nous ne pouvons pas connaître. La question posée, réponse, nous ne pouvons pas connaître. Est-ce politique pénale vraiment? Gouvernement ça? Et nous pensons que notre travail dur, sur ça qui a rapport avec la détention préventive prolongée, nous allons connaître un sous peu, parce que nous allons voir côté prisonnier, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons voir côté eux-mêmes. Et pour qui ça veut, et pour nous concrètement qui ça veut même pas. A dit comme organisation qui défend le droit, c'est que ça va être comme priorité. Priorité à Dieu lui-même, tout d'abord, parce que nous n'avons pas qu'à faire dichemin, c'est combattre la détention préventive prolongée. Nous disons, on n'a plus d'arrêter le jeudi, parce qu'il paraît de mon juge, il paraît politique comme ça, tendez-le, et puis si la blanchie. Il mange la canne. Si la condamnée qu'on est en prison là pour 2 ans, 3 ans, 5 ans, pas qu'on est. Mais une fois pour toutes, il parle de détention préventive. Parce que nous ne pouvons faire 10 ans en prison et puis les sorties, ils ont tout blanchi, ça a été là, pas qu'elle est.